C'est là qu'il était mérité. C'est celle ça. Après ça, route là, pas gagné encore. Pendant qu'il y a mis l'asphalte là, il protégeait nous en bas. Parce que pousser à lui-même, il y a parfois des gens qui ne peuvent pas voir bien. Les pousser à Bali, pas bon pour lui. Après ça, pendant qu'il vient à mettre l'asphalte là, son fierté pour nous. Pour t'apprendre, sortir Henry, après le Port-au-Prince Koulial, pour mettre deux étangs ou bien trois étangs, ou déjà à Port-au-Prince, mais les routes là, pas de bon, ou t'as de bleu. Et puis, les constats où t'es capable de maladie, il t'es capable de mourir dans la route. Mais Koulial là, Jean Route là, il y a un pesé, c'est aller là. Pense à nous en bas, n'a pas l'autre pense à. Mettez à penser à lui, il va faire pense à. Régionalement, pense à nous au fait là, je ne peux pas jouer une fondation pense à Kambala. Si galette ça nous mettez, je ne peux pas jouer une fondation pense à. Point ou bouche pense à nous mettez avec l'autre pour nous et pas pourquoi je ne viens pas. Impossibilité de faire la belle vue. Li bon. Pour nous, toute la famille, dans une zone qui était capacité dans la route nationale. Vous comprenez? L'utile nous en pile, vous. Nous faisons des protections pour nous capables de protéger la route là, plus ou moins, pour de l'eau pas craser, et puis tout, pour la route là pas craser vite. C'est comme ça qu'on a protégé la route là, pour de l'eau pas craser Alphate là, pour la route là capable de conserver, pour la capable de plus durable. Mis des protections, ça la barre de l'eau, et c'est lui qui a protégé Alphate là. Construction, reconstruction et réparation routière dans le pays a fait partie d'un point fort vision politique président Jovenel Moïse pour faciliter la connexion intercommunale. Ça a servi tout pour permettre l'échange commercial plus facile, ça a aidé à renforcer les efforts qu'a fait pour augmenter l'économie haïtienne. Merci Anne-Marguerite Auguste. Nous allons aller au niveau du Parlement haïtien. L'Assemblée nationale l'ouvre lundi 23 octobre la session extraordinaire sous convocation pouvoir exécutif. Pendant la session, le parlementaire 50e législature a penché sur plusieurs accords internationaux en tant que mini-juste avec un projet de loi et puis choisi trois membres qui sont capables de représenter le pouvoir législatif dans le Conseil électoral permanent. En suivant extrait dans la déclaration du président du Sénat République, Yuri Latortue. Il est aussi important que le travail de la MINIJUS s'inscrive dans un programme national de développement de la justice et de la police nationale. En deuxième lieu, la convocation s'inscrit dans une perspective de justice fiscale du fait de la modification de l'article 149 du décret du 29 septembre relatif à l'impôt sur le revenu. Ce vote revêtira une double importance. Non seulement il fera justice à une catégorie de citoyens haïtiens qui peinent à subvenir à leurs besoins de base, mais encore, il apaisera la tension sociopolitique générée à tort ou à raison par le vote du budget. Et ce, en attendant la soumission dans un meilleur délai d'un budget rectificatif au Parlement pour tourner définitivement la page des antagonismes et des revendications fiscales. En dernier lieu, la convocation d'octobre porte au menu la mise en place du Conseil électoral permanent, longtemps relégué aux oubliettes des institutions fondamentales de l'État. La formation du Conseil électoral permanent reste et demeure un impératif de l'ère démocratique haïtienne. La formation du CEP, suivant les prescrits de la Constitution de 1987 amendée, commande une approche non partisane. Elle doit se faire de la plus grande transparence et sur les fondements de la compétence et du mérite. Car une institution si fondamentale pour la bonne gouvernabilité de notre nation exige la prise en compte de l'honorabilité avérée des personnes appelées à l'intégrer, exige la mise en compte des représentations politiques au Parlement. Collègues, sénateurs et députés, la situation de notre cher pays commande l'éveil de notre sens de responsabilité. Nous devons alors agir vite. Nous avons sorti Bissonnet pour quitter le pouvoir législatif là, nous prenons au niveau du pouvoir exécutif qu'on y a.
puisque le président de la République, Jovenel Moïse, a visité le terrain jeudi 26 octobre là, dans la commune Maïsada, dans l'idée pour capable garder qui Jean travaille avancé dans le cadre de la série chantier qui était lancé dans le mois de mai passé. Chef d'État, qui sous troisième visite dans la commune, c'est là, terrain dans la section communale Madajoa, côté caravane, changement à travailler sur route là. Président Jovenel Moïse a profité visiter l'école nationale Toussaint Louverture, Bassin Cava, Acrivrière, Rio Frio. Reportage à Sabine Jean avec Jean-Ayel Zéverbe. Sorti mois mai 2017 pour arriver octobre, plusieurs projets Moun Maïsad ont été déposés devant le président Jovenel Moïse qui est en phase finale. Tant que route Madanjoa dans la première section Maïsad. Président, route Madanjoa, ça finit résoudre. Mais président, vos problèmes, nous, là, c'est route Maïsad, la président. On va parler de questions cinquième, nous, on va parler ça encore. Madanjoa, ça résout déjà. Ça résout avec président Jovenel Moïse. Nous va parler de route section communale encore. Pour y avoir un grand bagage pour nous parler, c'est question route Maïsad, là. Question route Maïsad, là. Il y a un autre projet qui est exécuté, c'est rivière Rio Frio. Rivière ça, t'es qu'on envahit ville Maïsad, les la pluie tombée. Rio Frio a t'es mangé plus fort route là. Même machine t'es presque pas capable. C'est un gros ravine qui t'es dans l'espace n'a regardé là. Jodi a, rivière ça a joué une route li grâce à travail en urgence caravane là. Ingénieur Ardouin de Laleu, c'est responsable chantier a. Le travail ça là, il va garantir bout de temps. Parce que dans l'étude que j'ai fait, j'ai dit que c'est environ 2 mètres de hauteur de fait digue là. Après deux ou trois averses, je constate que 2 mètres pas suffit, je suis obligé de monter environ 5 mètres. Donc c'est ça qui est le résultat. Je ne suis pas élargi la rivière environ 50 mètres. Donc je suis prêt à passer. À travers ça, c'est la paix. Et puisque je n'ai pas encore fini tout, je suis fini et puis je passe mon dernier couche rouleau. Donc, la paix pour zone. Timon kon grand moun, commerçant, agriculteur dans ville Maïsad expliqué, travail qui fait sous rivière, c'est une des plus grandes demandes qui réalisé. Nous te connait route là, c'était très grave. Il était presque écrasé l'école là. Après ça route là, t'est rentré dans boucle là. Après ça encore, route là était très grave et puis tracteur était venu travailler, il était fait voyer l'autre bord. Là, qu'on a bien ensemble avec mon vide dans de l'eau, je s'en bats, était quand ramasser mon yo, mais qu'on y a mon n'a pas c'est facile des machines qu'à contrer, mon n'a pas à côté, pas gué à faire tomber dans barrant, pas gué à faire de l'eau à rien. Qu'on a de l'eau à passer juste par l'autre bord. Oui, il y a tu qu'on envahi là, bon même où terrasse là il t'apprend. Qu'on y a la grâce à Dieu, mon fait mal yovler dans terrasse là. Pas gué rivière encore bon terrasse là. Le président République l'a visité différents travail ça yo pendant lui promettre la pra poursuivre l'autre travail qui était pour fait. Tant qu'on pont sur rivière à coûte un chmaïsad là. C'est pour me dire mon maïsad que faut qu'on ait travail infrastructure qu'a fait dans tout pays là, yo même yo là pour participer là dedans. Là nous parler de travail infrastructure. Nous parler travail route qui pour faire qui pour soutien qui pour tomber maïsad là. Nous connaît un pont qui pour faire sur rivière. N'a travail pour que pont fait sur rivière et route. J'en ai toujours dit route un chmaïsad là. Son route cap asphalté parce que c'est pour ça que Moun Maïsad a voté pour nous. Moun Maïsad a voté pour nous retourner au pouvoir. Mais ça m'a dit, il y a un magistrat qui est là ensemble avec nous, député qui est là. Yo même ces gens de comportement, ça, les gagnants, les députés avec magistrat vivent ensemble, yo qui ont main dans la main, le ça exécutif là, seul choix, c'est fini. Pour venir collaborer avec eux, ils ont même pour faire travail dans la commune. Ça fait troisième visite président Jovenel Moïse dans Maïsad depuis l'arrivé sous pouvoir. Chef l'État a dit qu'il a passé 5 ans de mandat là à faire dialogue avec tout secteur et puis réaliser besoin de la population. Nous prenons les dans le pouvoir judiciaire là, lundi 23 octobre 2017 là, marqué 200 l'année rentrée en fonction premier magistrat dans la Cour cassation. Dans l'occasion, diverses activités déroulées dans le local institution pour capable marquer date ça.
Plusieurs personnalités avec Mamba appareil judiciaire assisté à une audience solennelle et puis inauguration d'un espace qui dédié à président Cour cassation. Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay a présenté nos reportages. Sorti 23 octobre 1817 pour arriver journée jeudi, en pile modification faite dans le tribunal cassation qui transformé en Cour cassation depuis 1950. 200 l'année après, c'est moment bilan pour Piro institution judiciaire paysan. Dans un état des lieux l'étape fait, président Cour cassation M. Jules Cantave fait connait dans moment ça, c'est entente entre trois pouvoirs Haïti pi besoin. Pendant ces deux siècles, les brumes du passé nous révèlent que c'était deux siècles de lutte inter-pouvoir. Aujourd'hui, à l'aube de ce nouveau centenaire, je vous invite, chers représentants des autres pouvoirs, de commencer un changement de paradigme. Laissons les menaces et tentatives d'interférence pour ne pas troubler la paix de Montesquieu. Laissons la discorde pour établir un climat de confiance et de respect mutuel pour la cristallisation du rêve haïtien, l'union fait la force. Yon audience solennelle à l'inauguration yon galerie président Cour cassation yo te point fort activité ça. La donne, yon trentaine portraits juges qui passaient dans tête Cour cassation exposé. Assistant yo expliqué, gen jè fò ki fèt nan institution à différents niveaux. Kon sa tout, gen kèk travail ki rete pou fèt. Et nous remarquons qu'il y a une trop grande emprise de pouvoir politique. Et l'homme dit pouvoir politique, on ne parle pas de pouvoir exécutif, non. On parle des différents pouvoirs, même locaux, c'est-à-dire et parlementaires et autres, dans la carrière des magistrats. Et ceux qui ont épine, si vous voulez, dans l'indépendance totale de magistrats. Mais quoi que si on a un pour faire, il faut que nous rendions encore plus indépendants et du secteur politique que Jean-Lié Kounien. Donc, mais en tout cas, bâtiment, ça a son bel bâtiment. Après que ça a été écrasé après tremblement de terre, là, au moins au niveau judiciaire, nous avons un bâtiment qui prestigieux. Mais ce qu'il faut faire, c'est que ça ne doit pas seulement être le bâtiment qui gagne prestige. C'est le monde qui l'a dans eux, que nous choisissons, que c'est par compétence technique que nous pouvons choisir plutôt que parce que nous bien avec un monde ou bien avec un autre. Ça veut faire vraiment plaisir. Quand je suis venu ici, je vois qu'il y a un grand changement, d'autant plus que nous n'avions pas, à mon époque, nous n'avions pas cet établissement. Le local n'était pas agréable, mais actuellement, il y a vraiment des fois, il y a du progrès. Oui, il y a du progrès à la Cour de cassation. Activité pour marquer 200 l'année existence Cour cassation a commencé depuis le mois de juin passé. C'est en série conférences, expositions toges, photos, visite guidée et publication livre qui concernait arrêt qui te rend dans Cour cassation. Premier ministre paysan Jacques Guy Lafontaine présente grand les actions gouvernement lien dans domaine éducation, électricité, de l'eau potable, agriculture, infrastructure, lutte contrebande et sécurité. Chef gouvernement a participé dans 20e conférence en lundi la presse, lundi 23 octobre dans le ministère communication, une initiative qui visait faire population connaître projet et action gouvernement. Premier ministre déclaré, administration Moïse Lafontaine a continué travailler pour porter résultats nécessaires qu'à faciliter plus développement dans le pays. L'Itenamico 5 quoi pas qui a Gardens Chéri. Notre travail pour nous capables de mettre sécurité dans le pays avec justice. Si pour gagner développement, il faut gagner sécurité. Le gouvernement de la République, non, à travers le ministère de la Justice et la police nationale que nous instruit, prend et a continué prend toutes mesures nécessaires pour sécurité blaye en Haïti. Parce que si nous avons besoin d'attirer investisseurs étrangers, il faut que sécurité règne dans le pays. Là.
La justice, faut qu'on la justice qui est égale pour tout le monde. Et la justice pas un frein. Depuis la justice a avancé, n'est-ce pas vrai? Si on contravention, c'est rangé quoi. Gayoun dans domaine qui tenu président à cœur, c'est l'éducation de qualité pour les enfants. N'a point que par exemple, le gouvernement fait monter, malgré que nous n'avons pas pile moyen, nous prenons courage nous à deux mains, côté avec même petit ressources l'État, une gestion beaucoup plus saine, nous arrivons à payer environ 2800 professeurs qui ont gagné lettre nomination dans main yo depuis 3 ans. Et qui pas de chambre recevoir salaire. Information après poursuivre, Sénat République là, attendu mercredi 25 octobre, directeur général de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Gédéon, dans le cadre de séance en contrôle parlementaire chaque mercredi sur le fonctionnement institution l'État. Pendant la séance, le Sénat a été profité de soulever diverses questions tant qu'assurance pour les policiers. Conflit qui compte gagner dans PNH là, avantage social et recrutement en dans institution policière. Yon mi extrait dans Miko Roosevelt Derosé avec Jean Fleury. On connaît plusieurs policiers qui prennent balle à source dans la guerre dans la route. En pile fois, recommandement point disposition pour faire des démarches légales pour nèg à prendre soin. Assurance pour occuper les gens. Ou bien, les gens à la madame, les petits. Il y a des sous-cadres d'assurance. C'est des toits qui ont aspirine ou bien, ils ont rien, pas plus que ça. Je connais plusieurs policiers qui ont mené dans la base. Donc, je pense que la discrimination que je parle de lui, qui existait au sein de la police nationale, là, déjà pas minimisé les fondamentales parce que la question uniforme, il faut traiter et faut traiter le bien. Si c'est assurance, pour changer, pour les policiers, je n'ai plus beaucoup de d'assurance, qui baillent toute facilité, on fait parce que les policiers ont mouru de ça. Dis encore, avantages sociaux, avantages de policiers. La médaille, tu es excusez-moi rapidement, ou sous-lieutenant, il est en franchise douanière pour la chou-machine, l'elfec sauté. Si tu as des avantages sociaux, tu as des avantages, même si tu n'as pas acheté manger le même côté à tout le monde. Tu as ce que tu penses, tout avantage, tout encadrement de cabane. Construction, commissariat, mais même président. Moi, nous passons notre temps dans tes têtes ici. Hein. Même, je prends disposition avec chaque deuxième résidence. Mais, hein. Ma bali, par contre, si c'est la police pour bali, pour commencer bali, pour la police à commencer, bâti pour moi, commissariat fond des blancs, qui est important pour nous, qui est très très important pour nous. Gen un bail pour nous faire très attention à lui, c'est le recrutement qui a fait au niveau de mairie, en ce qui a trait à la police municipale. Et nous constatons, particulièrement dans la commune Okaï, ils ont recruté des éléments que la police nationale rejetait pour épurer l'institution. Moi, j'ai demandé pour que gagne une enquête qui mène sous ça et faire en sorte que le travail n'a pas fait à tout, mais Rio n'a pas saboté. N'a toujours été dans le même sujet, si là, directeur général de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Gédéon Soubopali, aborde quelques problèmes institutions policières à rencontrer tant que formation continue pour policiers et dossier salaire. Yon l'autre bord, directeur général de la PNH a expliqué comment processus enquête faite sur un policier qui t'a accusé dans malversation. Toujours dans le micro, Roosevelt Desrosiers avec Jean Fleury. Yon policier touché pratiquement. Alors, petit grade là. Yon agent 1. 17 000 gouffres qui viennent yon. Sous convertil en américain, à peine $265 US. Et malheureusement, nous obligé de dire,
ou négo c'est kay jodi an ou apwèl c'est en US yo présenté le devant. Non. Nan région an pipiti police qui touché pipiti cop là li pratiquement $700 américains. Nous reconnaît gen yon problème de communication qui fait que justement lorsque cas de fatalité ça arrive, parents yon pa konn qui côté pour y aller. Problème ça c'est la kay non pour mettre honorable sénateur Salomon que nous pral prendre toute disposition pour nous accompagner famille pour yon konn côté yon aller en direction générale pour faire suivi et kasa yon. Mais n'a pas anticipé rapide pour dire dans niveau assurance yon même yon défini yon quota pour contribuer dans question funérailles policiers et si pas trompé li avoisiner 75 000 gouttes c'est peu mais souvent DGA avec l'administration là qu'on voue maintenant poche yo pour yo capable ba yon ti montant additionnel et faire en sorte à ce que policier hein, li joine un enterrement qui digne de sa représentant dans la société. Directrice générale de la loterie l'État haïtien Marie Margaret Fortuné répond à mercredi 25 octobre la question chef paquet Port-au-Prince maître Oknama Clamé Damius. Marie Margaret Fortuné répond question sur implication machine loterie l'État haïtien yota accusé qui t'a tiré sous manifestant secteur opposition mardi 24 octobre. Commissaire gouvernement Port-au-Prince lui-même a annoncé une enquête qui l'ouvre sous dossier cela. En nous suivant extrait dans déclaration ni dans micro Saint Kwapaki avec Michel Joseph. Que gagne des informations capé et publié sur réseaux sociaux suite à manifestation hier là et il t'a dit que gagne des monde cap tiré sous machine sous manifestant yo et yo t'a identifié des machines que yo di kap tire sou manifestant yo et tout moun konnen yo te parlé de yo fait référence à loterie l'état haïtien. Donc moi même comme garant de l'ordre public et représentant de la société moi gagne une responsabilité quel que soit appartenance et citoyen automatiquement non cité ou bien yon institution non cité m'gagne pour obligation pour mal chercher qui côté vérité aille. M'pense c'est dans contexte ça que moi ouvri yon enquête sous question moun qui t'a tiré sous manifestation hier. Maintenant je dis à moi commencer avec enquête là et moi commencer à travailler sous dossier là. Moi espérer que avant longtemps dans conclusion enquête là m'a gagné pour moi rencontrer la presse pour nous au courant de li. Mais ça m'ka dit nous jodi hein, enquête là li commencé et travail là a continué. Moi-même, moi promets nous que ma besoin de résultats pour me joindre. Directrice générale de l'autre l'État haïtien, Marie-Margaret Fortuné, voyez jeter toute accusation qui t'a fait quoi, machine institution la dirigée a t'a impliqué dans si la troublée pendant le déroulement manifestation secteur opposition mardi 24 octobre dans la capitale la Port-au-Prince. Yon l'autre bois, directrice générale, l'autre l'État haïtien fait connaître, l'IRE était disponible pour paquet Port-au-Prince dans le cadre dossier SILA. Toujours dans le micro, Saint-Croix-Paki et Michel Joseph. Dans tout le monde détendu, il y a une rumeur qui a couru sur les réseaux sociaux à travers la presse qui a dit que les machines l'autre de l'État haïtien qui a tiré sur manifestants. En tant que femme d'État et militante convaincue, nous répondons à une invitation commissaire là. Pour nous te dire ça, nous te disons. L'outil de l'État haïtien, LEH, mission, c'est régulé et commercialisé. Nous avons l'argent, nous ramassons l'argent, nous mettons dans le CEO, dans les casinos, nous faisons social avec elle. Nous avons une mission pour nous tirer sur un quel monde et nous faisons devoir nous répondre à l'invitation du commissaire gouvernement pour nous porter lumière. Nous redis encore, nous sommes des démocrates convaincus.
qui croient dans la justice, qui croient dans l'état de droit, qui croient dans le droit moun gagne pour manifester, l'autorité de l'état haïtien sous leadership pam para jam kamelé nan ken zak krasé brisé empêcher moun manifester. On voyait une vidéo kapoulé avec deux machines qui c'est un Prado blanche et puis un Cherokee, un Chevrolet Colorado, pas gain ken rapport avec non machine loterie nationale pas gain machine Maxayo c'est Isuzu Trooper qui n'a. N'a toujours été au niveau du paquet Port-au-Prince, commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Ougnam, clamé d'Amius, n'a eu notre paquet tribunal à première instance, mette de yon, passe instruction pour que ancien ministre économie et finance, Yves Romain Bastien, et ancien ministre, ministre justice et sécurité publique, M. Camille Edouard Junior, pour yon pas quitter pays d'Haïti. Chef paquet Port-au-Prince fait connaître une décision la justice prend pendant l'époque qu'a fourni plus de détails sur la décision. C'est là. L'Italamico Saint-Kouapaki et Michel Joseph. Paquet Port-au-Prince a travaillé sur un ensemble de dossiers. Donc, à chaque fois que dossier yo, gagne un rapport, enquête yo gagne un rapport avec deux personnages. Donc, gagne des mesures qu'a toujours prend. Donc, au fur et à mesure qu'il n'a pas avancé avec l'enquête, c'est comme ça que la population a pour courant des mesures qu'elle prend dans quatre dossiers qu'elle traite. Une délégation congressman américain qui sorti dans l'État de New York, visite pays d'Haïti, sorti 23 pour arriver 27 octobre. La même délégation ça a chita parlé avec plusieurs députés, jour qui était mardi 24 octobre. La. Plaidoyer pour gouvernement fédéral américain prolonger statut protection temporaire, ça aurait les TPS là, pour environ 60 000 Haïtiens étaient dans mitan discussion yo, d'après député Delma Gariboudo. En côté précis, on a mis au Fedner confident avec Moïse Joseph Wilbridge. Je dis à une diplomatie parlementaire qui est très active dans le pays. Donc, dans les assemblées paritaires, nous avons des positions. Donc, on a allé à Washington dernièrement pour nous être capables de faire un plaidoyer sur la question de TPS. Là. Donc, on a nous pratiquement 58 000 Haïtiens qui ont une résidence temporaire aux États-Unis, que le président Obama a pris un executive order pour Bayo après le tremblement de terre 12 janvier. Donc, ça arrive dans le bout de l'île. Donc, pour avoir une décision qu'a pris le 23 novembre, donc, on a cherché solidarité de tous côtés. Donc, parlementaires, ça, c'est des parlementaires qui sortent dans State of New York, nous avons gagné plusieurs congressmen là, côté, ils ont gagné des hommes d'affaires et des femmes d'affaires qui ont voyagé ensemble avec eux par rapport à des initiatives qui ont pris en Haïti. Tout. Nous avons gagné un recteur université là, côté, il y a une université dans New York qui est le Sony University. Nous avons gagné à peu près 40 carottes à essayer d'acheter dans la zone AKR pour faire un gros campus universitaire. Donc autant de projets que nous discutons là aujourd'hui. Les délégations ça l'inan pays là du 23 et au 27 octobre. Donc ça fait suite à des voyages qui étaient faits. Et une délégation qui est allée à New York qui a été recevoir. Moi-même, je suis à la tête une délégation qui a gagné plusieurs congressmen américains dans l'État. Difficile, donc nous connaissons des difficultés économiques qui ont gagné, baba prendre moins. Donc c'est bien pour nous garder des opportunités de l'autre côté, pas non logique d'assistant à vous venir de nous, mais par rapport à des opportunités d'affaires qui sont disponibles. Même Jean Digicel, je dis à faire quoi en Haïti, même Jean Mariotte a fait quoi en Haïti, même Jean Gain plusieurs autres compagnies étrangères qui n'ont sous-traitance. Je dis à Café Koban Haïti, je pense qu'il y a un espace dans le tourisme, il y a un espace dans l'infrastructure, je dis, et pour des compagnies sorties à l'étranger, venir investir. Donc, c'est dans le cadre de ça, la rencontre a été faite, je dis. Dans le cadre d'une conférence spéciale, le ministère de la Communication recevoir, mercredi 25 octobre, le directeur général de la Direction générale Impoua Mirade Molan, et le secrétaire d'État pour l'intégration des handicapés, Gérald Auriol Junior.
de personnalité sa yo parle sous privilège fiscal qui accorde à prestataires services tant que l'hôpital, établissement enseignement qui permettent à moun handicapé yo bénéficier yon ensemble avantage social. Jean-Loi 13 mars 2013 sous intégration catégorie sa mandé sa. Secrétaire d'État pour intégration moun handicapé yo fait connait y a travaillé pour permettre moun handicapé yo jeune place normalement dans société. Dans ce sens, yo déjà prévoit diverses rencontres à différents acteurs concernés sous application loi cela. En nous souvenant extrait dans micro Rachel Sefort à Claude Ali Jean-Jacques. Dans l'effort que n'a fait vraiment au niveau de secrétaire d'État pour intégration moun handicapé pour assurer respect droit moun handicapé, il y a des démarches que n'a pas entreprendre avec différents partenaires, différents collaborateurs au niveau de l'État. Mais tout dernièrement, nous t'ai rencontré justement avec le directeur général DGI pour être qui gens nous capables d'encourager plus monde bénéficier de série avantages que loi et son intégration mon handicapé a offri pour permettre mon handicapé joindre accès à de série services. En particulier, il y a deux articles et importants et dans la loi que nous t'ai discuté avec le directeur général DGI, c'est article 19 loi. À travers article 19 ça, et prestataire de services et de santé, notamment l'hôpital, est capable d'offrir un minimum de services gratuits à mon handicapé et est capable de déduire et dépenser des taxes pour remplir au niveau de DGI. Ensuite, il y a article également 40 et qui là vraiment pour inciter inclusion mon handicapé dans le système scolaire là. Article 40 là dit que le directeur responsable de l'école capable offrir mon handicapé demi-bourse ou de bourse complète et est capable de déduire mon temps et au niveau de la DGE, au niveau de taxe. Donc ça permet que mon handicapé bénéficie des bourses et en même temps que l'établissement scolaire là capable de déduire mon temps la taxe à remplir. Ce sont des mesures incitatives vraiment pour encourager et solidarité au niveau de société, hein, encourager et secteur santé, secteur éducatif pour yo mal contribution par yo mettre main pour favoriser inclusion mon handicapé. Directeur général à DGIA bon côté Palmira de Molan fait connaître déjà commencé travailler et puis prendre disposition pour permettre la loi sur intégration monde handicapé yo appliquer. Dans ce sens, yo prévoit faire sortir un mémorandum pour faciliter application loi 13 mars 2012 là. Prestataire service l'hôpital établissement enseignement qui permettent moun handicapé joindre service en domaine santé éducation gien pour yo présenter yo ensemble pièce justificatif pour yo capable joindre privilège fiscal qui prévoit pour ça. En nous souvient extrêmement micro toujours Rachel Sefort à Cloro Dali Jean-Jacques. Gien en loi qui est censé voter et depuis 13 mars 2012, comme le secrétaire d'État dit là, qui supposait mettre en application, parce que la loi a voté, les promulguer, nous-mêmes nous là pour nous capables d'appliquer. Si une personne handicapée, une personne qui a une mobilité réduite, gagne, ont trouvé dans une situation où elle a besoin de soins de santé, et que vous parlez de nous bien, vous parlez de une distance là, de 30 km. Ligue droit, joindre l'hôpital privé, à défaut de l'hôpital public. Le SAA, nous-mêmes dans DGI, n'a privé, déduit, soin SAA, que au balayant, n'en charge, qui va le passer pour l'hôpital SAA. Et nous dit que, n'a reconnaître ça, côté que, monde SAA, c'est pas n'importe monde qui vous dit que, l'ICE en personne handicapée. Ils sont personnes à mobilité réduite. Pour me reconnaître ça, il faut qu'il y ait une photo qui fait. Il faut qu'il y ait également un papier médical qui vient de joindre nous dans la DGI, qui prouve que Mounsa, c'est une personne vraiment à mobilité réduite. Papier ça, c'est un papier qui pourrait aller dans n'importe quelle clinique.
papier ça, c'est soit que les sorties dans le secrétaire d'État ou bien c'est le ministère de la Santé publique et de la population qui soumet nous les. Qui fait nous reconnaître ça comme étant pièce justificative. Yon personne handicapée, yon personne à mobilité réduite, yon prestataire de service, offrez-lui yon quart de bourse, yon demi-bourse, ou du moins une bourse complète, automatiquement ou capable de prouver, ou vient avec des pièces justificatives pour prouver que moun sa, c'est un monde qui trouve dans la situation ça, et bien nous-mêmes dans DGI, nous reconnaître li et la déductible dans la déclaration, ou la déductible égale, la déductible d'accord dans la déclaration qu'on a fait dans DGI. Donc nous-mêmes, nous là pour nous respecter bah, ça à la lettre, nous là pour nous faire appliquer yo, de concert à secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Vice-recteur pour affaires académiques dans l'Université de l'État d'Haïtien, professeur Hirol Toussaint, exprime inquiétude li sur problème li di li constaté dans l'Université de l'État par journée jeudi. Sociologue là estime l'Université de l'État d'Haïti malade en pile. Annonce un reportage avec John Herbie Cassius et Jean-André Chéry. Vice-recteur dans les affaires académiques Université d'État d'Haïti, professeur Hirol Toussaint, déclaré Université d'État malade dans toute colle. Selon professeur, vie académique UEH la anémie. Professeur n'a pas organisé assez et puis ressources mal réparties. Étudiants nous recevront une formation au rabais. Faut capable dire, ils ont une formation au rabais, ils ont pas une formation qui jam. Et ça, c'est très, très dur pour la santé académique du pays, pour la santé scientifique du pays. Nous avons un personnel qui a souffri dans l'université parce que l'État n'a pas suffisamment de budget. Ensuite, nous n'avons pas une vraie vie étudiante dans l'université. D'après le professeur, c'est le dialogue avec l'entente qui n'a pas gagné assez dans le niveau conseil exécutif université qui la cause institution ça a traîné comme ça. Il n'est pas mauvais que quand il y a un conflit dans la faculté, dans le rectorat, pas de problème, ce n'est pas normal. Parce que les conflits sont consistentiels à la vie. Il faut l'accepter. Mais ça fondamental là, les y a un conflit, il faut être suffisamment intelligent pour résoudre le conflit, pour gérer le conflit, pour le bien de l'institution. Les conflits doivent être gérés pour le bien de l'institution. Et le conflit qu'a traversé l'UEH là, ça fait un pile temps et nous pouvons arriver et gérer ça. L'université noire, il n'y a pas chita sous principe universitaire. Et nous dit tout et nous dénonçons, puisque nous faisons partie de là-dedans. La non-synchronisation entre les membres du conseil exécutif a des effets néfastes sur la santé académique et la vie des étudiants. Il est utile, il est urgent d'allumer une bougie de la réconciliation au sein du conseil exécutif. Pour allumer cette bougie, je pense, je crois, en tout cas c'est mon point de vue, il faut prendre le chemin de la médiation. Professeur Hirol Toussaint dit, l'université a, c'est une victime de problèmes sociopolitiques pays. Selon lui, la politique n'a rentré trop au fond dans le fonctionnement UEH. Il encourage tout acteur concerné à chita parler, il y a une façon pour jouer une solution dans la crise universitaire l'État a fait face. Et c'est la édition Rivenan Boutli. Merci pour attention. Edline, avec moi-même, je vous souhaite passer un très bon week-end et une bonne semaine.